Bonsoir tout le monde, bienvenue au Slice and Racing. Ce soir, nous serons live avec vous pour vous présenter la course de F3, bien sûr. Et avant d'aller plus loin, je vous dis bienvenue et merci à tous nos commanditaires affichés à l'écran. Accented.com de Montfort Maçonnerie, Karting Hartford, Clôture Raymond, Goul VR, Mercedes-Benz, Saint-Nicolas et Spenard Simulation. Fiers commanditaires du Slice and Racing et on les aime beaucoup et on les apprécie beaucoup bien sûr. Et ben on a nos fondateurs également, le jeudijouet.ca et slicein.ca qui sont là et sont là pour rester bien sûr. Alors ça fait le tour de nos commanditaires, on les remercie beaucoup d'être là. Alors ce soir c'est la présentation de la course avec mon co-animateur James. Bonsoir James, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. T'es-tu réveillé? Oui. Écoute, je t'écoutais puis j'étais hypnotisé par tout ce que tu disais. Ah, ben oui. Finalement, la présentation de cette première course de F3 au circuit, et non le moindre, de Virginia International Raceway. Ça va être très intéressant. Un gros circuit de 20 courbes, 5,22 km. Nous avons une très belle température, 28 degrés sur la piste actuellement. Et on voit Sly qui tourne en arrière-plan, qui a l'air de s'amuser. Ouais. Vraiment? Il y avait bien du fun. Rappelle-nous donc, c'est combien de temps ces courses-là? Ces courses-là, c'est 40 minutes. Ouais. Non, c'est ça, faudrait que je te fasse un nouveau... Ouais, je viens de réaliser ça en te disant. Je te fasse un nouvel écran là, pour ton 40 minutes. Ouais, ben écoute, c'est 40 minutes. Durée de cette épreuve, 50 moins 10, ça donne 40. Alors, 40 minutes la F3, essence obligatoire, bien sûr, et les pneus optionnels. Ça dépend des écuries. Certains en mettent, certains n'en mettent pas. Les Blue Flags doivent être exécutés de façon sécuritaire. Faut bien sûr pas les ignorer. Cette fois doit être faite dans les lignes droites le plus possible. Dans les courbes optionnelles, si on n'a pas le choix, mais ce qu'on veut, c'est les lignes droites, c'est là que c'est plus safe. Bump and run, push to pass, dive bomb, style de comportement à éviter. Si jamais ça arrive et qu'il y a une victime qui se retrouve dans le champ ou dans le mur, on vous demande de faire un passage au puits sans arrêter à votre box pour remplir d'essence ou changer les pneus ou quoi que ce soit. On ne prend pas de profit à cet arrêt, on l'a subi comme étant une pénalité. Alors on passe direct dans les puits sans arrêter. Bien sûr, propos menaçants, irrespectueux, ce genre de comportement est à retirer de nos projets. Sanction automatique pour les départs agressifs menant à un accident. On va donner des sanctions. Retour en piste causant des accidents. Des retours en piste dangereux, hasardeux, c'est une sanction. Faire des contacts volontaires pour se faire vengeance ou pour sortir quelqu'un volontairement, bien sûr, c'est la même chose. Et des drapeaux jaunes, si jamais il y a un jaune ou un accident devant nous, et même si le jaune n'a pas eu le temps de sortir, on demande aux gars d'être intelligents, de lever le pied, de ne pas faire de dépassement quand il y a un accident devant. Fait que c'est la moindre des choses, je pense. Là. Alors, effectivement. C'est pas mal ça, concernant les... Ça fait bien du sens. Ça fait énormément de sens. Tant qu'à moi. Oui. Je vais juste mettre Cynic. Je suis tanné de voir l'autre tourner. Là. Il est fatigué. Oh, oui. Je pense qu'il est rapide, mais en fait... là. Ah ouais, c'est. Il essaie de faire son show off, mais il est tout seul, ça attraque. Bon, alors, voilà. Va nous présenter la grille de départ. Oui, c'est Roy qui fait la pole aux côtés de James David. Ensuite, on a Sébastien Proulx et William Scullion. Jonathan Brault aux côtés de Guillaume Lévesque. Joël Beaulieu et Jonathan Huard. Jean-François Matt et Éric Leblanc. François Demers et Bruno Pichette. Luc Massé, Patrick Bachelard. Richard Laveau et Sly Bernier. Et c'est un départ arrêté ce soir. Est-ce qu'on l'avait dit, ça? Arrêté, non, tu l'as pas mentionné encore. Okay, donc, c'est un départ arrêté. Ouais, c'est un standing start ce soir. Alors, ça risque d'être tricky, la voiture, que faut pas la faire patiner, sinon elle est dangereuse. Et faut pas on a vu sous sinon ça démarre pas. Alors, Magnan 17e, Lalancette 18, Genet 19, La Marche 20,
pardon, Godet 21, Guillaume Dupont 22, Jacques Auger 23, Jay Buge 24, Patrick Paquette 25 et Francis Vachon en 26e place. Alors 26 participants ce soir à VIR. Une track très redoutée de plusieurs. Hein? Je sais pas oui. Si tu sais, mais on a de la difficulté des fois à trouver. Des gens qui l'aiment pas tellement celle-là. Ouais, ouais c'est ça. Puis tu parlais de ne pas faire patiner la voiture. On en avait eu une belle démonstration dans les courses pré-saison qui servent justement à ça parce que les nouveaux pneus sont arrivés récemment sur la F3. On est bien content de ça. La version 7 des pneus, la Racing, et ça l'a fait quand même changer beaucoup le comportement des pneus. Ouais, et ouais, à ouais. Sonoma, on a eu un départ. Écoute, on avait. En fait, on avait la même situation. Hein. Je crois que c'était James et Sirois qui partaient dans la course pré-saison devant. Écoute, et tous les deux ont fait spinner leurs roues, puis on s'entend que les F3 sont quand même rapides. Ça l'a créé tout un bouchon, écoute, quelques accrochages. On espère que les deux ce soir vont avoir pratiqué leur départ. Ouais. Ne pas causer la même situation. Ouais, c'est clair, écoute. Mais tu sais, la voiture est tellement tricky. Pour vrai, c'est une voiture qui colle tellement. Mais c'est une voiture qui est tellement tricky sur le premier tour ou à la sortie des puits si on change les pneus. C'est vraiment. Faut faire attention, là. Ouais. Elle est très, très, ouais. Très vicieuse, là. Fait que ça va être ouais. Vraiment intéressant. Écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. Mais bon. J'ai le départ de course qui va se donner dans 5 secondes. Ben, pas le départ de course, mais le. Le voyons comment dire le grid qui va se donner dans 5 Exactement. secondes. Je suis désolé, je cherche mes mots. On va voir ça, je vais juste ouais voilà, on les entend. Et mon Dieu hein, ça sonne-tu mauvais De quoi? le moteur Le ça moteur. sonne... ouais ça sonne comme de la grosse cylindrée, des gros HP. Non, pas tout à fait, là, mais... Pas tout à fait. Ça sonne plus carte modifiée. Un petit peu. Mettons que c'est un. Oui, c'est ça. C'est un papier carte. Ouais. Bon. On en a qui se plaignent. Un, en fait, qui se plaignent de l'heure qu'on course, là, qu'on fait ça, mais il n'y a pas d'heure pour la course, là. Mais non, il n'y a Hein? pas d'heure pour la course. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Joe Loon. Hey, Joe Ben Loon. oui. Il est tout le temps en Mettons. ligne, lui. Il peut bien Ben oui, chialer. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, Il là. peut bien chialer. Mais écoute, on va avoir une belle course de 40 minutes à vous présenter avec ces voitures. Puis je pense sérieusement qu'on devrait avoir un bon spectacle. Des batailles, on devrait en voir. C'est sûr que ce sera pas tout le long. Donc quand Ben, même écoute, ça reste à voir. C'est juste que de ce que je me rappelle, étant donné la longueur de la piste et la difficulté Ouais. de la track. Oh. On entend les voitures. Ouais, les voitures qui se préparent à... Ah, je pense que ça va décoller sous peu. Fait qu'on va pas Peu que être trop long. c'est des voitures normalement que tu n'auras pas autant de bagarres, exemple, quand GT3 ou en évitamment. Là. Il y a moins de voitures Ouais. aussi, mais il y a beaucoup de stratégies, les arrêts au puits, tout ça, les pneus, comment qu'on va les sauver. Donc, oh, on entend les voitures qui sont prêtes à Oui, démarrer. ça va partir dans quelques secondes. Et voilà, c'est parti! 40 minutes de Ouf. F3 à VIA. Oh, départ très As-tu vu laborieux. ça Oui, de derrière. Sirois? Écoute. C'était pas Ouf. évident. Oh, James et son coéquipier sont Ouais. side by side, c'est qui? Oh! As-tu vu Ben oui, c'est Scullion qui Scullion a qui est passé tout sorti. droit? Ah, ben oui! Exactement. Alors, des pneus froids qui ont surpris déjà un membre de l'écurie. Ouf. Oh my god! Oh. On s'est fait sortir. Oh! C'est Il y a Brough, là ça. contact. C'est C'est Brough. Brough, effectivement, qui Oui. a percuté. Oh, Oh, James qui James! l'échappe! Oh non! Oh my god, catastrophe pour Oh l'écurie my Davidson. god! Davidson qui vont aller retourner dans l'écurie. C'est là, ça va jaser dans l'écurie, là, c'est certain. Là. Après moi, ça va se battre. Et Oh là là! Brough, théoriquement, va faire un arrêt au puits, là. Exact. Ouais, c'est étrange, pareil, parce que c'est comme s'il y avait Ouais, au pas freiné dépassement. quasiment. Oh mon Dieu! Pas Godet. Non, c'est un C'est pas écureuil. Godet, Slicer aussi. c'est. Beaulieu? Godet. Joël Beaulieu, oui, qui l'a carrément échappé. Je pense encore un contact avec Brough sur un Je sais dépassement. pas s'il y a eu contact là-dessus, Ou par exemple.
C'est un drôle de. Peut-être que ça s'est pas touché, mais l'angle de vue que j'avais a pas donné une belle. Oh! Et Brooks, je sais pas si t'es sur lui encore, il s'est overtaké là, par deux voitures. Oui. Et les deux ont réussi à passer. Belle manœuvre ici pour l'overtake. Là, c'est qui est passé dedans? Écoutez, on va vous mettre le top panel. Gros qui n'arrête pas, ne fait pas son passage au puits. Non, alors pas de passage au puits pour Gros. C'est sûr que ça va être revu par les admins. Malheureusement, on l'a expliqué avant la course, le règlement, mais je pense que c'est pas un pilote qui est très fréquent dans la ligue. Il va falloir le contacter puis s'assurer que tout est fait dans le bon dans le bon ordre. Ouais. Malheureusement pour Proulx, il est 22 secondes derrière le dernier pilote en ce moment. Et James est dans les puits, donc les deux pilotes d'écurie Davidson. Jolone, effectivement, il y a eu un contact très franc. Ouais. Donc actuellement, c'est l'évêque qui a pris la tête. Écoute, excuse-moi, j'ai vu un commentaire de. D'après moi, c'est Dupont, ça, gros con. Gros con, ça. Gros con, d'après moi, ça doit être Guillaume Dupont. Exact. Ouais, je pense bien que oui. Sur le chat, quand j'ai vu l'heure, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Non, j'ai ressenti une flèche à ce moment-là. Ouais, ouais. Ben, il peut aller se coucher et l'écouter demain aussi. Là. Ouais, non, je pense que c'était plus pour m'agacer. Mais Lévesque, en fait, c'est impressionnant parce qu'il était sixième au départ. Hein? Ouais. Et avec tout ce qui s'est passé devant, Scullion qui passe tout droit, Proulx qui se fait sortir, James qui l'échappe, ben là, Lévesque est devant avec 2,8 secondes quand même. Oh my god, hein, quand même. Ouais. Puis là, on a une bataille derrière entre la marche qui est à la poursuite de Magnan, justement. Là. Puis David Lamar, je pense qu'il y a un nouveau pilote également, en F3. Alors, belle petite bataille ici. Oui. Jay Buge également sur Pat Paquette. On va prendre l'intérieur sur la ligne droite, départ arrivé. Puis c'est réussi pour Buge. Bernier, mon Dieu, Bernier est donc bien loin derrière. 20e. Ouf, il est arrivé quelque chose à Bernier au départ également. Là. Ouf. Oh, Pichette devant à la 8e place. Pichette qui travaille fort contre Éric Leblanc. Du team Davidson, justement. Oui. C'est l'espoir d'un top 10 présentement pour Davidson. D'un top 5, je dirais, pour Davidson. C'est serré, là. Les voitures qui donnent quand même beaucoup d'aspiration. Là. Donc, on a vu Pichette qui était carrément rendu dans la gearbox de Leblanc. Ouais. Et là, regarde au lieu comment est-ce qu'on s'en vient, là. Ouais. Ça, c'est un beau petit groupe. Là. Ouais. Il y a combien de voitures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. 8 voitures qui suivent de près. Ouais. Oh, Leblanc qui va tenter de quoi, je crois, devant. Oh. Est-ce qu'on est sorti et on prête. Oui, on a réussi sur Brou, alors c'est fait. Leblanc est passé sur Brou. C'est Pichette qui se fait attaquer par nul autre que Joël Beaulieu. Joël Beaulieu qui a un excellent pace avec la F3 présentement. Ouf! Par l'extérieur, réussi à challenger Pichette. Et on réussit à rester à la hauteur de Pichette. Là. Oui. Et même passé devant. Ouf! Tout un dépassement de M. Joël. Donc Joël Beaulieu qui est en train de donner des cours au teacher. Oui. Ben, je regarde actuellement sur la caméra 3, c'est vraiment beau, c'est des angles un peu plus rapprochés. Là. Quand il y a des batailles comme ça, c'est vraiment solide. Hey, je sais pas c'est qui est devant, mais il semble avoir déjà un lapeur, ça se peut-tu? Là, les pilotes qui semblent tous... Oh! Qui est devant? C'est déjà un lapeur? Non, c'est Jeff Matt. Il semble avoir perdu le pace parce que les pilotes bouchants...
voir sur la ligne droite ce qui va arriver, mais ça nous donne des belles bagarres malgré tout, là, parce que c'est un peu ça qui dicte l'allure en ce moment. Parce qu'à part... Hey, c'est Jonathan Huard qui s'est retrouvé deuxième, là, en plus. À 2,5 secondes de... Il est où, Guillaume Lévesque? Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Je sais pas, là... C'est pour ça qu'il est rendu septième. J'ai aucune idée, j'ai pas vu ce qui s'est passé, ouais. Oh mon Dieu! Matt et Leblanc. Et là, déjà Beaulieu encore à l'extérieur. Oh, quel accrochage avec Pichette, là. Et là, il a remis comme Pichette sur de bon sens, mais est-ce qu'on a des dommages? Les voitures vont-ils devoir arrêter? Ça a l'air d'être correct pour les deux, parce que c'est... Dans cette série-là, faut vraiment pas qu'il y ait... Faut vraiment pas qu'il y ait de dommages aux suspensions, c'est réaliste, parce qu'on peut pas réparer les suspensions ou faire comme un NASCAR, puis varger là-dessus à coup de masse, là. Et là, c'est ça que j'essaie de voir, c'est si Beaulieu réussit à reprendre du pace un petit peu. T'as un point neuf de Pichette, est-ce qu'on se rapproche tranquillement? On va voir si la voiture est maganée ou on semble garder notre même gap. Oh, l'aileron un petit peu abîmé côté avant. Oh non! Mon Dieu! Beaulieu vient de l'échapper. Oh. Ouais, peut-être qu'il y avait des dommages. Hein? Ouais. Ça a vraiment snappé comme s'il y avait des dommages aux ailerons, là. Ouf, ça c'est dangereux, où est-ce qu'il est revenu? Ouais, oh c'est my God. Dangereux, mais ça va, il y a peur qu'on râle pour le moment. Ouais. Alors non, ça va pas bien pour notre ami ici, c'est très difficile. On a une belle bagarre là, entre Pichette, je crois, et Laveau. On va aller voir ça, c'est intéressant. Laveau, je voulais en parler justement, qui a fait un méchant début de course. Parti 15e. Quoi? Je sais pas pourquoi. Écoute, j'ai cliqué sur Laveau, mais ça m'a amené sur Bernier puis Auger. Ah. Là, je cherche Laveau, je ne trouve pas. Ok, Laveau est 17e. Bon, Bernier vient de passer sur Laveau. Et là, écoute. J'ai Laveau et Pichette, exactement, oui. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que Laveau, tout un départ, est parti 15e puis il est 7e en ce moment. Ouais, excellent départ de course pour Laveau. James Collion, Vachon et Bro qui ont abandonné présentement. Oups. Sirois qui est seul et premier présentement. Oui. Luc Massé qui est à la poursuite de Pat Paquette et on va tenter quelque chose avant le bout de la ligne droite et grâce à l'aspiration, bien sûr, on avait assez de swing pour passer devant. Alors, c'est top pour lui. 1.5 de Matt. Je vais vous donner le top 15 pendant qu'on y est. Alors voilà, Sirois qui est au tour numéro 6. C'est une course qui devrait durer environ 24 tours, je crois. Huard est deuxième, Lévesque troisième, ouais. Bachelard 4, Demers 5, Pichette 6, Laveau 7, Matt 8, Leblanc 9, Dupont 10e, Beaulieu 11, Lamarche 12, Bernier 13, Auger 14 et Magnan en 15e. Donc, ça va un petit peu. Oh, Bernier qui s'en vient attaquer sur Monsieur Lamarche. Sur la ligne droite, est-ce qu'on va avoir assez de vitesse? Et voilà, on prend l'intérieur sur la marche. Et je pense que oui, c'est réussi pour eux. Bon, alors une autre position de gagner, on tombe maintenant 12e. On est derrière, oh, derrière son coéquipier, Beaulieu, qui est seulement à 4 secondes devant. Alors, pas trop loin. Éric Leblanc qui se bat toujours également et on vient de réussir à passer sur Jean-François Matte au T1. Oh, ouais. Petit lock-up pour Leblanc, mais ça finit bien quand même. Là, je vais l'expliquer le principe parce que je sais que c'est pas facile. Là. Mais Leblanc, il y a des mags blancs. Ah! C'est pour te simplifier la tâche, là, mais je sais que t'avais pas compris. Là. My God, moi j'essayais de voir la ligne sur le char. Je le sais, mais oui, The White, Mag White. C'est bon. J'ai essayé de faire un rappel. Concept. Mais là, ça va devenir vraiment plus compliqué. Par exemple, Magnan, il est vert.
Arnaud Genet, hein? Arnaud, il est là, c'est vrai, il était supposé être là. Il est-tu mort, lui aussi? Ouais. Attends un peu, il est où, lui? On sait pas, F3. Beaulieu. Ah oui, oui, il est là, il est 18e. Ben oui. Avec les mags rouges. Beaulieu, il a pris de l'avance sur Bernier. Et... Oh non! Oh non, on est en difficulté pour Beaulieu, on tente de ramener la voiture. Oh! Et mon Dieu! Oh! Et... Ah, quel contact! Oh, écoute, vas-tu envoyer quelqu'un pour l'aider? Pour moi, il va dormir là, à soir. Ok, il est... Oh, écoute, bon, c'est fini. Alors, il est parti. C'est vraiment de... Mais j'ai l'impression qu'on avait un problème de suspension ou quelconque. Comme tu avais dit plus tôt, la voiture n'était pas réparable, il n'y avait pas le choix de continuer. Puis, exact. Je pense qu'on a essayé d'aller chercher le maximum qu'on pouvait avec la voiture, mais malheureusement, les dommages étaient faits avec le contact avec Pichette. Là, ça avait tout scrappé les chances de continuer. C'est dommage parce qu'on peut voir à quel point il était rapide. Joël avait qualifié en quatrième, je pense. Bon, Joël? Mais Leblanc encore tente quelque chose. Et voilà, c'est fait. Leblanc, il a remonté plusieurs positions. Oui, on est rendu 7e à la poursuite de Pichette en 6e. Battait avec JF Matt il y a un tour. Puis là, il a réussi à passer Laveau et Dupont. Oui. Et là, on s'en va pour le top 5. Le seul espoir de Davidson Team d'être au top 5. Oui. Dupont est à 0.4 également de Laveau. Alors peut-être que Dupont va peut-être tenter quelque chose sur Laveau bientôt. Non, c'est vrai, on était. Tous les pilotes de Davidson étaient là au moins. Fait que même s'il y en a deux qui se sont sortis, il reste Philippe Magnan. Et 19e, Arnaud en 16e. Fait qu'au moins, hein? Il y en a qui assurent certaines continuités. Ouais. Mon Dieu, ça passe juste à l'arbre là en haut. Ah, là. C'est tellement. Un bel endroit, là, j'adore les prises de vue. Et avec les formules, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu peux t'iras faire un tour on board avec un pilote là, avec les pilotes qui sortent des gros temps là, pour voir comment ils rentrent. C'est épeurant. Ah ouais. Quand on arrive dans la descente et après ça, quand ça remonte vers l'arbre, là, c'est incroyable comment on freine tard avec les F3. Ok. Oh, là j'ai vu, c'est JF Matt qui vient de prendre le gazon. Oh, ok, j'ai Mais rien de majeur. Petite sortie de piste, un petit peu de tour des. Le tour est joué. Laveau, lui, qui est à la poursuite de Dupont. On a de l'aspiration présentement, on se rapproche de plus en plus. Je ne sais pas si on va avoir assez de vitesse pour passer sur Dupont. Mais, écoute, on a de la vitesse. Ça ne sera pas suffisant, je pense. Team Puma. Ouais. C'est Roy qui a pris 4.3 secondes d'avance devant. Lévesque qui avait commis une bourde qui revient tranquillement sur Siroy et maintenant rendu à. Ben c'est quand même 7.7 secondes, mais il rattrape le temps perdu. C'est quand même pas évident là que cette voiture-là, si quelqu'un bénéficie d'aspiration, c'est difficile de remonter là. Ouais. Oh, alors Dupont, on vient d'avoir l'information que c'est Team 3 Wide en F3, en GT3 et en NASCAR et en Team Puma. Alors ça explique. C'est trop compliqué ça. Ouais. Hey, il y en a qui n'ont pas compris qu'on n'est pas vite nous autres là. Ouais, c'est ça. Fait pas là, quatre équipes différentes dans quatre séries, là. Non. C'est pas cool. Non. Pichette est à la 6e derrière Demers. À mon avis, un petit peu en difficulté, Pichette aussi, là. Semble manquer de pace par rapport à où on le voit normalement dans ces types de voitures. Ouais, j'ai été étonné de sa qualification, honnêtement, là. Ouais, c'est à cause de sa voiture, de la fondation OneDrop. Elle doit être tellement écologique qu'il roule à l'eau. Vraiment. Ouais, c'est pesant de l'eau. Ouais. Elle est belle sa peinture, mais. Ouais. Oh, Leblanc qui a rattrapé Dupont. Ou Dupont a rattrapé Leblanc. Ouais, non, c'est le contraire. Parce que Leblanc avait passé Dupont il y a quelques tours. Puis là,
on va avoir une autre bagarre encore. J'adore la section sinueuse où on les voit actuellement, là, c'est vraiment bon. Je m'en allais te donner la durée de l'épreuve exacte. Oui. On va avoir... Oups. On est bon pour 24 tours. Donc là, on a déjà effectué... Quasiment la moitié de l'épreuve. Ça va vite. On est au 40 dixième. Minutes. Ouf! C'est sur le blanc, puis à l'arbre, comme tu dis, c'est des fois, on a l'impression que... Ça va se terminer là. On a l'impression que si point, ça va s'arrêter assez rapidement. On avait d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, quand on avait fait la configuration Grand Ouest ou Grand Est là, en GT3 l'année passée. Ouais. Ben on l'a fait cette année en NASCAR. Cette semaine, en NASCAR routier, Monster. Pas pour vrai, ça, là? Oui, ça va être... Le gros circuit, là? La configuration Grand Ouest qu'on va faire. Pour vrai, oui. Il y en a qui vont saigner de partout. Ouais. Bon, pas juste saigner des yeux, là, saigner des doigts, des oreilles. S'il y en a qui n'ont pas signé la config en NASCAR, sont aussi bien d'aller aller le faire tout de suite. Oh, oui, c'est vraiment une piste à pratiquer, là. Et, t'es malade. Oh, une voiture qui est large, et c'est Dupont! Alors, Dupont vient de laisser sa place. Il est allé 3 wide large, puis... Ouais, c'est ça. Exact. Elle est bonne. Puis wide, un peu trop large, et voilà. Eh hey, mais il est parti bien deuxième, ce pont-là, hein? Une méchante remontée assez incroyable. Avec son casque, là, de... Ouais, ah, mon Dieu, Bernie aussi, une pas pire remontée, dixième présentement. Pichette, douzième, mais derrière Bernie, oh! Mais c'est n'importe quoi! Ouais, c'est n'importe quoi, ça c'est clair. On a un indice ici, je me demande bien pour qui ça va s'arrêter à l'arbre. Bon. Sachant c'est qui a dit ça, je me disais qu'il faisait une bonne course actuellement. Ouais. Je pense que mon mode d'action pourrait se dessiner sur le bord des arbres. Après ouais. Oh, Pichette qui s'en revient sur. Je pensais que c'est sur Bernie, mais c'est sur la marche. Et justement, à l'arbre. Très bonne sortie de Bruno Pichette qui va le propulser probablement devant la marche au bout de la ligne droite avec la... Oh oui, point 3. Est-ce qu'on se rapproche toujours? Oui. Ça comment ça que Pichette est reculé de main? C'est incroyable. Il était 7e. Et voilà, on prend l'intérieur. Et la marche qui va, voilà, va juste s'avouer vaincu. Ne fightera pas plus qu'il faut. Je pense que c'est un bon call de la marche ici. Ça va rocker. Et le 8e place, on a GF Matt qui a rattrapé un coéquipier devant lui qui est Lavo. Alors Matt qui va devoir faire le choix de suivre ou de passer sur son coéquipier. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle des fois dans la vie, c'est que la première personne qu'on veut battre sur le circuit, c'est notre coéquipier. Ouais. C'est vrai pareil. Hein? Oui. Oh oui. Pas à tout prix, mais. On veut le battre. Non, à moins de taper Perez P.O. Ouais, ça c'est une autre histoire. Et Lévesque, ça va bien, son affaire. Il vient de retrancher une autre seconde en un tour. À Sirois. À Huard et à Sirois. 5.4 parce que moi. 0.7 de Huard, là. Ouh. Parce que sur le top 3 en haut, on peut voir le gap vraiment sur le premier. Là. Ouais. 5.3 sur Sirois. Ouais. Et Huard est 4.8. Fait que là, il y a une belle petite bagarre qui se dessine, là, si tu veux suivre ça. Je suis avec eux déjà. C'est mieux d'être avec eux. Ben oui. Voilà, déjà, l'évêque. Voilà, c'est fait. Alors, pas de niaisage au thé. Oh, un croisé qui... Huard a passé proche de surprendre l'évêque, là. Je pensais que... À les voitures, ça ressemble un petit peu. Peut-être des frères? Ben ouais, c'est ça. Ouais, belle voiture Red Bull de l'évêque. Très belle livrée. Bon, alors Huard qui a pas réussi à
s'accrocher suffisamment à Lévesque. 5 secondes de Sirois. Tantôt, il était à 7, alors il y a 2 secondes de récupérer. Ici, peut-être que Huard va réussir à se remettre un petit peu dans. Oui. Mais mon Dieu, l'évêque a tout un pace. Regarde à quel point il est distancé, même avec une boîte. Ouais, c'est débile. Il est vraiment en feu. Puis là, c'est... il vient de passer la lancette qui est en retard d'un tour en ce moment. Déjà, oui, ça va vite. Oui, il y a un petit problème. On a quand même plusieurs abandons. C'est la première de l'année. Puis il y en a eu une coupe au début de la course. Là, on a 1, 2, 3. 8! 8 dont 2 pilotes d'écurie Davidson. Ouais. Mais c'est pas grave. Ils ont toujours à 700 quand même. Très bon pace. Réussi à garder une distance acceptable face à l'évêque. Mais écoute, je pense que le problème c'est à partir d'ici, on va se retrouver dans les courbes. Là, j'ai hâte de voir si on était capable de rivaliser contre les mecs. La prochaine épreuve, ça sera Spa-Francorchamps. Ça va être une méchante belle config pour méchant beau combo, je veux dire, pour la voiture et circuit. Là, ça devrait donner vraiment de quoi de beau. Oui, la prochaine course, ça sera en fait, je pense c'est une des pistes les plus rapides qu'on va visiter avec cette voiture de la saison. Sinon, il y a quoi? Il y a Road America qui risque d'être très rapide également. Et en plus, Aspas ça va être Huard qui l'a échappé et va quasiment visiter l'arbre. Ah ben oui, on était à bonne place au bon moment. C'est de toute beauté. Et là, c'est qui? C'est la lancette qui vient arriver. Ben oui. Oh, au moins, je pensais qu'il allait le bloquer. C'est plus longtemps qu'il pouvait. Tiens, attendais pas à ça. Ouais. Oh, Pichette, point 3. On est à point 3 du pont, là. Bruno Pichette qui est en remontée. Ouais, il est en remontée. Oh mon Dieu, Pichette qui est très large. La même gaffe que Beaulieu auparavant. Mais lui a réussi à sauver les meubles avec la voiture. Mais je m'attendais à ce qu'il finisse de la même façon. Mais finalement, on réussit à s'en sortir. Ouais. Après, ce que j'allais dire, c'est que merci Linux pour le lien pour le groupe Slicim parce qu'il y a un auditeur qui nous demandait si c'était une ligue. Ah oui, un Québécois en fait qui vient de nous découvrir, donc c'est vraiment intéressant. On vient de transiger vers Twitch. Ah ben parfait. Il y a une semaine, puis on a déjà des nouveaux qui nous découvrent comme ça. Ben oui, c'est génial. Comme Linux le dit. Le groupe principalement pour s'inscrire aux événements, pour pouvoir réserver nos spots. On se trouve sur Facebook, le Slicim Racing. Oui. Puis ensuite, bien sûr, il faut trouver le groupe Slicim Racing sur iRacing.com. Et après ça, il faut écrire au grand Manitou qui est Sylvain Bernier, qui est présent. Ouais. Il est fin, hein? Il est fin, Bernier. Oui. Je vais dire oui, parce qu'on est devant du monde. Alors Demers qui vient de s'accrocher à son tour à Pichette là, Pichette en fait qui a réussi à monter une position sur Demers. Ouais. Et là, se défend bien monsieur Pichette quand même là, la voiture qui semble un petit peu capricieuse à son égard. Je pense qu'on réussit à faire du bon travail. On est tout près de remonter au top 5. Les puits sont pas faits. On est au 15e tour. Oh, ouais, c'est vrai, 15e en fait, tour. Il y en a beaucoup qui ont pité. Là. Ben oui, c'est ça, je t'en ai. T'as Sirois qui a pité, 22-8. Bachelard a pité. En fait, il reste juste Lévesque et Huard qui n'ont pas pité. Ben oui. Le seul pilote qui est encore dans les puits, c'est Patrick Paquet. Et là, Huard qui est dans les puits en ce moment et Lévesque aussi. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va ressortir Lévesque par rapport à Sirois. Quel bel arrêt pour Lévesque, ça a été très rapide. 22-4. Et là, Sirois vient juste de passer, hein? Ouais. Non, mais quand même.
va voir au prochain gap. Hey, 2,9 secondes, là. C'est incroyable. Il est parti de... Ben là, il en a perdu un peu, parce que c'est normal avec l'air d'aller. Ouais, 3,5. Il était à 7,8 secondes, tu sais. Il y a environ 10 tours, là. Alors, c'est excellent. Méchant pace. Vraiment, ouais, vraiment très impressionnant ce soir. Un pace de winner. Alors, ça va être à surveiller dans les derniers tours, probablement. Là, on est au 16e. Il en reste encore... ben, en fait, c'est un total de 24. On est au 16e, alors 8 tours à faire. Ouais, là, je pense que ça va devenir la phrase... ta phrase, là, que tout le monde va se sortir, là. C'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, je demanderai à ceux qui... d'aller faire un clip, de faire une toune avec ça. Mais c'est vraiment n'importe quoi! Puis on pourrait faire jouer ça en boucle sur la page Tyson. Ouais. C'est bon, ça. Non, mais il y a la voix qui sert de mes streams pour en faire des intros. Alors, ça risque de se retrouver pour avoir un intro éventuellement. Leblanc, à la 8e, se rapproche également de Demers. Alors, Demers semble en difficulté en ce moment. Écoute, perd beaucoup de... on se fie aux autres qui le rattrapent tous. Là. Je ne sais pas si on a eu un hit à quelque part ou quoi que ce soit, mais il me semble manquer un petit peu de vitesse. Ouais. Actuellement, le pilote ayant fait le... on peut maintenant le dire, le pilote ayant le pit, l'arrêt au puits le plus rapide, c'est... Oh my god! Je pensais que Leblanc l'échappait, je m'excuse. On est allé de chaud gazon à la sortie de la courbe. Je me suis dit, c'est terminé, on l'échappe. Mais non. C'est Jonathan Huard qui a fait l'arrêt au puits le plus rapide en 19.7. OK. C'est quand même beaucoup plus vite que l'évêque. On parle de 2 secondes quand même sur l'évêque et Sirois. Mm. J'ai hâte de voir. On va voir cette gamme. Peut-être que Huard n'a pas changé ses pneus, puis... C'est vrai. Les autres l'auraient fait, je sais pas. 5 minutes de la fin, vous pouvez me fixer. C'est ça, je me disais. Je pense qu'il sent sa mort. Ben voilà. Ah, il a pas changé ses pneus. Ouais, ouais, c'est on ça. Avait confirmation. Alors, il y a une différence entre les changer et pas les changer. 2 secondes. Ouais, ouais, c'est 2 secondes en fait, effectivement. 2-3 secondes, c'est ça. Effectivement, puis j'avais fait des tests, puis c'était ça. 7 secondes lorsqu'on met du fuel et qu'on change les pneus. 4.5 lorsqu'on fait du fuel d'essence. Oh, Leblanc, ces pneus-là, c'est... wow, belle sortie. Oh, c'est qui ça? Ben, c'est Pat Pocket, ça, je pense, le okay. Voir comme ça. J'ai eu peur que ce soit Pichette encore. Là. Non, Pichette va bien, Pichette est en vie, merveilleux. Là, c'est sûr que, écoute, il manque beaucoup de pilotes, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 pilotes manquants. On était 26. Alors, il ne reste plus que 17 pilotes en piste. Ça commence à être un petit peu plus tranquille côté F3 ce soir. C'est rare hein, qu'on a des plus petits fields comme ça. En bas de 30, c'est très très rare. Là. On se tient plus dans la quarantaine normalement, alors ça fait différent un petit peu à suivre. Bon. Bien allé quand même. Après l'arrêt au puits, l'évêque a eu un petit peu de difficulté le temps que ses pneus étaient froids les deux premiers tours. Mais là, vois-tu, là, ça semble vraiment être là que... En fait, c'est ça, c'est parce que Sirois avait pité un tour plus tôt que l'évêque. Mais là, c'est incroyable. L'évêque, ça vient de se mettre à descendre parce qu'il a fait ses deux tours pour réchauffer les pneus. Là. Ça a passé de 4.5 à 3.4. OK. Donc, d'après moi, là, on va surveiller ça du coin d'œil parce que ça s'en vient rapidement. Voilà le classement, le classement du top 15. Alors, Sirois, Lévesque, Huard, Bachelard, Pichette, Leblanc, Demers, Dupont, Matt, Lavaux, Bernier, Lamarche, Magnan, Lalancette et Godet qui ferme le top 15. Un petit peu
ce que nous avons. Bernier à 5 secondes. Mon Dieu, il n'y a pas personne très près. 1.3 pour Bachelard. Un flat pour Dupont. Et whoop, on se rapproche à 0.8. On va voir Dupont. Peut-être une bataille qui se dessine ici. Sur Demers. Alors, ça ferait une autre position perdue pour Demers. Là. Burst. Bon, qui en était à sa première course, qui nous a dit tantôt en VR. Ouais. Ouais. Numéro en jaune. Une question, j'essaie de Sauvé a posé une question par rapport à. D'abord, les numéros en jaune correspondent à ceux des gens. Oui, les numéros en jaune ou orange, là, oui, c'est les numéros des voitures et les carrés blancs avec le numéro à l'intérieur, c'est la position. Ah oui, ok. Il parlait de. Ouais, on parle du d'overlay, là. Exact. Ouais. Alors, oui, c'est exactement exact. Ça, Sauvé. Yeah, right. Écoute, la bataille est partie, là, ouais. Dupont avec Demers, ouais. Et la ligne droite, et voilà que Dupont, oh my god, c'est clair, net et précis que c'est à ce moment-là qu'on fait notre dépassement. Demers ne pouvait plus rien contre Dupont à ce moment-là. Oh, Paquette qui va voilà, laisser passer sur la ligne droite avant la courbe. Pas toujours évident. Bon, ben c'est réussi pour Paquette. Autre bataille, Patrick. Ouais. Paquette et. C'était pas Paquette, c'était là l'ancêtre que je voulais dire tantôt. Je suis désolé, okay, j'ai okay. mélangé. Mais là, c'était Paquette qui vient de se faire passer par. Je crois que c'est Genet. Non, c'est Matt. Tout un pace, mon ami, parce qu'on vient de. En même pas un tour, on a pris quasiment 2 secondes sur Demers. Là. Et la marche qui est dans les puits, je crois qu'il vient d'arriver quelque chose parce que. Le 13e, et malheureusement, je crois que pour Dave Lamarche, il y a eu un incident. Ouais. Un autre pilote qui semble nous avoir quitté. Ouais, en effet. Abandon pour Lamarche, on va probablement perdre des positions parce qu'il y a plusieurs pilotes derrière lui. On va rester grand tour. On a 24 tours qu'on disait là, pour le 40 ouais. minutes. Il reste on approche seulement de la, 3 de la tours fin. À faire environ. Puis, écoute, Richard, on a un autre pilote qui vient d'entrer dans les puits, c'est si la lancette. Oh, un autre pilote qui est entré dans les puits. Oh. C'est la lancette, effectivement. Ça va pas bien pour la lancette, un deuxième puits, on dirait. Il repart. Ouais. Ouais. Cher, mais au moins, il y a quand même le fait de seulement finir la course. Ouais. Sauf 10 positions quand même sur. Huard en 3e place sur l'évêque est rendu à quasiment 17 secondes. Il est à 16,5. Incroyable. Très difficile. Oh, oh mon Dieu, Huard dans les pneus. Et là, ça a frappé très fort. Oh, puis il repart. Quand... Écoute, plus d'aileron, Gilles Villeneuve, Isende House. Puis c'est tellement une fixation, ces arbres, qu'il ouais. regardait tellement l'arbre qu'il. Ouais. C'est peut-être une technique pour pogner de la vitesse. Il ben, t'as-tu vu comment il est parti? C'est incroyable. Ça fait comme un slingshot, ouais. c'est ça, puis ça repart. Écoute, il avait l'air d'avoir de l'élan quand il est reparti. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais là, il roule de côté comme un crabe. Là, comme, on dirait qu'il roule à la turbine. Il veut voler le show. Il veut voler le show.
Là, Bachelard arrive. Ouais, non, c'est pas mal fini pour lui. Bachelard vient de passer. Une troisième sur un plateau d'argent pour Bachelard, là. Bump and run sur les pneus. Ouais, effectivement. Il devrait faire un arrêt au pluie. Ouais, on va donner une pénalité. on va investiguer ça. Oh, petite bataille. Dupont ici pour la cinquième. Oh, Dupont, Team Davidson. Mon Dieu, Team Davidson se ferait sortir du top 5. Mais là, Dupont qui est overbreaké parce qu'on s'est un peu speeché, là. Ouais. T'es venu lousse. D'après moi, ça va y être parce que Dupont semble avoir beaucoup plus de pace que Leblanc. J'attends de voir sur la prochaine ligne droite. Je me dis que c'est peut-être que ça va se décider. Il reste juste deux tours. Alors, faut pas faire de niaiserie. Oh, Leblanc est possible quand même. Ouais. Très belle sortie pour Leblanc, mais là, pour c'est c'est le drafting qui va faire la différence, là. Écoute, regarde ça comment qu'il rattrape, là. D'après moi, ça va être faisable avant d'arriver. Oh oui, certainement. Tout dépendant, c'est Leblanc prendre ligne. Non, Leblanc qui va rester large. Je pense pas qu'on va prendre trop de chance en ce moment parce qu'on a quand même une bonne course pour les deux, là. On veut pas... Ouais. Merci Soro, très apprécié. J'invite pas à rejoindre le groupe et si tu es équipé, j'invite pas à venir rouler avec nous. Ça va me faire plaisir de t'accueillir parmi nous. On a pas mal de tout le style de série et on a pas mal de tous les genres de calibre en fait de pilotes. Ben oui, regarde, on accueille tout le monde, même Jonathan Huard. Ouais. Puis ce soir, ben. C'était trop facile. Ce que tu vois, c'est la série qui est un petit peu la moins achalandée cette saison. La F3. La série des ovales, on vient juste les ouvrir, ça fait pas longtemps. Alors, mais pourtant. Ouais. Je suis étonné quand même qu'on n'était pas beaucoup à Virginia, mais c'est tellement une voiture incroyable à conduire, la F3. Ouais. J'ai découvert je faisais pas beaucoup d'open wheel à date sur iRacing, puis c'est vraiment incroyable à conduire, moi je l'adore. Ouais, c'est très plaisant. Effet. Mais on a vraiment des challenges tellement différents parce que le NASCAR routier, là, le Monster Energy, là, c'est tout qu'un défi, ça, par exemple. Là, c'est vraiment complètement différent. Dans Monster Energy, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains circuits que c'est même dur de changer ton black box tellement que ça demande du focus là, sur des petits circuits. Là. Ouais. C'est vraiment ça qui est à essayer pour ceux qui ne l'ont jamais essayé. Là. Comment qu'il faut moduler tout le temps le gaz, on peut jamais quasiment taper ça au fond. C'est vraiment là, excellent comme série. On a quand même des gros fields dans NASCAR. Là. À Watkins Glen, on était 49 comme fond. Ouais. Oh. Ben, écoute, c'était impressionnant. On est sur le dernier tour. Écoute, on va rejoindre notre meneur, David Sirois, qui mène... Oh my God! Regarde derrière! Ouais. Dernier tour, Sirois, écoute, pourchassé par l'évêque. Oui. L'évêque, combien? 1,41. 1,41 flat au dernier tour et Sirois à 1,41,8. Pratiquement une seconde de différence. Et là, il y a le gap qu'il y a entre les deux pilotes, c'est le gap qu'il y avait au dernier tour entre les deux de différence. Alors, ça peut finir side by side, mais là, Sirois vient d'ouvrir la machine direct. On sent la menace, alors. Regarde ça. Débile. Hey, une méchante belle sortie en plus pour l'évêque. Ouais. Ok, tout le monde retient son souffle. Hey, c'est débile, pareil comme fin de course. On est au last lap. C'est là que l'évêque rejoint Sirois comme ça. C'est débile. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? C'est juste je pense que oui. Oh, ben oui. Sirois n'a pas l'habitude de choker là, à ce moment-là. Sur la ligne droite, a perdu du momentum. Alors, Sirois a moins d'aileron probablement. Ça tape plus de vitesse. Et ça va y avoir sauvé sa victoire. Alors, Sirois qui va l'emporter. Regarde ça. Il s'en allait le rattraper, là. Ah, ouais. Mais
Et c'est fait pour Sirois. Victoire à Villiers pour la première course, suivie de monsieur. Oups. Pourquoi ça change pas? Hey. Bon. Pas grave. Bon. Guillaume, le deuxième, pardon. Bachelard s'amène à la troisième place, 28 secondes derrière. Alors, on va passer la ligne d'arrivée au moment où on se parle. Bachelard qui conclut son podium à Villiers. C'est fait. Dupont quatrième. Alors, on peut tout remonter Dupont. On se tiendra pour dire. Éric Leblanc, cinquième, réussi. Et devant Pichette à faire le top 5. Demers, septième. En huitième, nous avons Jean-François Matt qui s'amène à la ligne départ arrivée. Voilà pour Matt. En neuvième, monsieur Laveau, la voiture Laveau Motorsport, qui vient confirmer son top 10. Ensuite, Bernier. Bernier qui confirme également son top 10. Philippe Magnan en 11e. Oh, je crois qu'on a déjà terminé. Yuri Davidson peut dire merci à ses pilotes de soutien ainsi qu'à Éric Leblanc qui ont sauvé la mise. Oui, on a sauvé la face à Davidson. Ils sont vraiment fièrement représentés dans cette série-là. Ils étaient 5 au départ. Dans les autres séries, ils sont pas autant de pilotes, mais c'est beaucoup quand même, 5 voitures. Ben oui. C'est bien ça. Ben oui. C'est parce que la voix sont en train d'envahir la ligue. Fait qu'il faut qu'il y ait d'autres équipes qui se forment pour essayer de relancer l'épidémie. Ouais. Alors. La voix sont rendus à 11 pilotes, je pense. Ouais, dans, non, dans non, toutes sont, les sphères. Ouais, sont très, très, très nombreux. Ouais, résultat final. Alors, Sirois l'emporte au devant de Lévesque, mais par seulement 3 dixièmes de seconde. Alors, quand même. Ensuite, on a Bachelard à la troisième place, Dupont quatrième, Leblanc 5, Pichette en sixième, Demers 7e, JF Matt 8e, Richard Laveau 9e, Sly Bernier 10e, Laveau et Bernier. Ben, en fait, regarde ça devant, le Bachelard et Dupont, un gain de 11 et 18 positions. Hey, c'est solide. Là. Patrick Paquette également, 10 positions gagnées, là, c'est bon. Magnan, 11e, Genet 12, Lalancette 13, Godet 14, Patrick Paquette en 15e, suivi de Huard 16, Lamarche 17, Massé 18, Auger 19, Sébastien Proulx 20, Joël Beaulieu 21, J.B. Auge 22, Jonathan Brault en 23e, James 24e, William Scullion 25 et Vachon 26. Je crois que Scullion et Vachon n'ont pas démarré. Mais James, oui, on l'a vu. Ah oui, Scullion, on l'a vu, pardon. Scullion, on l'a vu démarrer. Merci de tourner le fer dans le plaid. Ouais, 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 je m'excuse. C'était pas voulu. On a eu quand même beaucoup de belles batailles malgré un plus petit field. Ça a été vraiment intéressant de mon côté, j'ai bien aimé ça. Ouais, écoute, c'était pas une piste facile, c'était pas une course facile, c'était pas une course ultra nombreuse. Alors, c'est pas tout le temps facile à décrire, mais... Je pense qu'on a eu quand même un bon spectacle, surtout dans la première moitié de course. Puis on a eu le droit à une belle petite fin à la fin. Exactement. Puis là, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, du côté de la F3, on va se retrouver à Francorchamps la semaine prochaine. Normalement, comme on disait, on essaie de faire les streams les week-ends le plus qu'on peut. Ouais. Samedi ou le dimanche. Donc l'idéal, c'est de s'abonner à la page Slicim sur Twitch et sur Facebook. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir... avoir les notifications et les nouvelles lorsqu'on stream. Exactement. Ben merci beaucoup. Puis en effet, là, comme tu disais, on a le F3 à Spa à faire. Et Spa Francorchamps, c'est une piste que de ce que moi j'ai vu là-bas, ça semble avoir beaucoup brassé, mais à toutes les positions là. Fait que je pense qu'on va vraiment avoir une course très enlevante comparée à ce qu'on a vu ce soir. Bien dès que le premier c'était tour. Bien. Ouais, c'est ça. Mais à ce pas, je pense que ça va être vraiment du début jusqu'à la fin. à ce pas, Zolder, ça va juste être une course incroyable à vous présenter en NASCAR également. Ouais. Sauf qu'avant, il faut vous présenter Watkinson, Sebring. Non, Sebring, on l'a fait déjà.
Sebring, non, ça n'a pas été présenté. Mais non. Non, faut le faire. Ça a eu lieu, mais c'est parce qu'on est en avance d'une semaine sur les courses de NASCAR. Je suis tout mélangé. Je suis tout mélangé. Ouais, c'est ça. En tout cas, mais c'est ça. Sebring est à faire alors. Puis il va rester. Il va rester. Le GT3 aussi. Le GT3 à Roval, je pense que ça va être assez spectaculaire et risque d'avoir pas mal d'action là-dedans aussi. La première course était assez débile là, à Interlagos là, pour la course de GT3. Ouais. Puis on risque de les faire en fin de semaine, en fait. Là. Exact. On devrait en faire une ou deux en fin de semaine. Ouais. Donc on vous tient au courant. Puis merci d'avoir été là. Et comme d'habitude, merci de votre folie sur le chat. Et invitez vos amis, vos grands-parents. On va juste rire encore plus. Ben oui, plus qu'on est, plus que c'est mieux. Puis c'est ça. Puis... toujours le fun des grands-mamans qui arrivent et qui disent « Hey, tu courses pour vrai, là? Casse-toi pas à gueule! » Oui, c'est ça, grand-maman. Excellent. Exact. Alors, ben, écoute, bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Bonne soirée plaisir à tout le monde. Alors, on vous laisse là-dessus. Avec le petit montage à Bruno? Ouais, avec le montage à Bruno, exactement. Fait qu'on va voir peut-être des moments que nous avons manqué. Bruno, lui, il ne manque pas. Alors, écoutez le petit recap de fin de course. Puis, on se donne rendez-vous demain ou après-demain pour un autre stream. Salut tout le monde! Ciao! Oh.